Alors voilà, pour la première fois au Liban, un appareil photo ambrotype. Quelque chose d'utilisé aux États-Unis en 1850 par les cow-boys. Une image positive sur une plaque de verre. Des matériaux chimiques, explosifs. Et puis une photo. Une photo qui reste jusqu'à la nuit des temps. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de fabriquer une pellicule. C'est-à-dire qu'on va rendre sensible à la lumière un objet qui ne l'était pas. Donc en le trempant dans l'argent, on crée un produit photosensible. Une fois qu'on a notre pellicule, eh bien, on va pouvoir la mettre dans une caméra. Et on va prendre la photo comme n'importe quel autre appareil. On expose un temps donné, on fait rentrer la lumière et on imprègne et on fabrique notre image. Et ensuite, on développe notre photographie avec tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire un révélateur, un bain d'arrêt et un fixateur. L'image n'a pas tenu parce que le collodion qui est à la base de la fixation de l'image devrait être très concentré. Au Liban, on n'a pas trouvé, on l'a trouvé que dilué parce que tout simplement c'est un produit explosif.